Fanatique fidèle mwen yo, jodi a la fait 29 mois depuis yon bande nèg met ensemble là, yo assassiné président Jovenel Moïse. Eh bien, jodi a la toujours ancien premier ministre Claude Joseph débarqué là, il vient répondre question juge Walter Wessé-Volté. PM n'a tellement parlé, même si PM c'est Claude Joseph bien entendu. Li dénoncé devant la presse oligarque corrompu cap essayer manipuler la justice pour faire tout proche Jovenel Moïse paraître comme quoi c'est yo qui t'a tué Jovenel Moïse. Tendez oui. C'est ça le déclaré. Ça veut dire là tout bon ami Jovenel Moïse yo oligarque yo a joué dans tête juge là. Nous avons remarqué, depuis dernier temps, c'est les gens qui étaient proches de Jovenel Moïse, qui ont pris les descendants dans le tribunal pour qu'ils attendent. Attendez, oui. Claude Joseph Perconé, lui demande sous table de négociation, si juste là, invitez-vous, faut que vous veniez, si vous n'avez pas rien pour vous, dans le dossier de l'envoi président Jovenel Moïse, faut que vous veniez. Lui mande pour personne moun pa caché des pouvoirs yo. Tendez oui. Pour entraver la justice. Pour faire maonage avec la justice. En CPM nan di Jovenel Moïse a besoin justice li. Ouais parole ça yo, c'est très important. C'est gros pour toute déclaration qu'il fait là et ensuite gloire mouiller en pile nèg. Attendez, là Claude Joseph dit comme ça, sous table négociation, lui mande, si juge la invite, faut qu'on vienne, sous pas gagne rien pour vous avec l'amour président Jovenel Moïse. De ou pas vini, qu'on est, ou n'a tout Jovenel Moïse. Attendez, oui. Elle dit, lui mande, pour personne moun pas cacher des pouvoirs. Pour entraver la justice, pour faire maonage avec la justice. Ne voulez pas parler comme ça, ne voulez pas parler avec Ariel Henry. Parce que j'ai invité Ariel, il va le venir. Ne voulez pas parler comme ça, c'est Ariel, avec Ariel, il parle même. Ancien PM, non, fait qu'on est, c'est parce que lui-même, dans 72 ans de temps, il était agi rapide au presto, il a bloqué tout le pays. Pour mercenaires, pas de temps qui te paye. Sinon, nous allons arrêter. Vraiment vrai, c'est lui qui fait ça vrai. Raïchien, dit dans le blanc. On a le temps de PM, ancien PM, Claude Joseph, qui t'a parlé là, après ça m'a tourné, pour plus de détails, avec précision. Je dis à c'est ça fait exactement 29 mois depuis assassin criminel assassiné le président Jovenel Moïse dans la résidence de la Caille. 29 mois après, moi-même, là, juge d'instruction invité, de toute façon, donc on est en politique, coïncidence ça ne peut pas exister, c'est une coïncidence bizarre. Mais quel que soit le jour, quelle que soit l'heure, le juge d'instruction invité m'a venu. Parce que évidemment, si le juge d'instruction n'est pas délié à la main, si il y a un assassin qui est en prison, si il y a un rapport très méticuleux que le DCPJ fait, c'est grâce à leadership, 72 heures après l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est parce que nous avons été députés dans le pays à état de siège qui fait que nous avons arrêté l'assassin. C'est parce que, en tant que premier ministre, nous avons entravé le travail de CPJA qui fait que nous sommes capables de gagner véritablement un rapport dans la dimension que de bonne facture que de ces pays. Nous passons savoir que l'assassin
criminel, oligarque, qui touye, assassiné le président Jovenel Moïse pour l'idée, vous avez souhaité ces gens qui a demandé justice, ces gens qui sont proches, ces gens qui sont victimes de tout le monde. Mais c'est bien compté, mal calculé. Tout de suite après avoir assassiné Jovenel Moïse, vous avez invité FBI à venir dans le dossier. C'est ça que pas qu'à des manipulations de justice haïtienne. Nous connaissons tout. Que la justice haïtienne vient de toute faiblesse. Nous connaissons les gens qui ont l'argent, qui veulent mettre la justice sous coupe réglée. Nous connaissons. Que les gens qui ont en pile l'argent, ont souhaité que c'est Claude Joseph, qui est le véritable combattant pour la justice pour le président Jovenel Moïse, là. Et bien c'est lui-même qui vous a inculpé, c'est lui-même qui vous a parlé de vous. C'est bien compté, mal calculé. Le peuple haïtien, vous comprenez, vous voyez. Bataille qu'a fait là, c'est pas une bataille qui jouette parce que Jovenel Moïse a été assassiné pour ses idées. Jovenel Moïse a été assassiné pour son combat. Jovenel Moïse a été assassiné parce que il voulait permettre à la population haïtienne de vivre des jours meilleurs. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, dans le parti politique aidé, qui travaille pour organiser le parti dans tout le pays. Nous faisons évidemment bataille pour justice Jovenel Moïse là en priorité. Parce que même Jean Aurélien a dit dans un communiqué qui sortit 8 août 2022, pas qu'à gagner entente et harmonie dans le pays, tout autant question de justice pour le président Jovenel Moïse là pas réglée. En autre terme, la question de justice pour le président Jovenel Moïse sont préalables à tout accord politique, à toute entente politique. Nous-mêmes, c'est ça nous demander sous table de négociation. Nous demander si le juge l'a invité, il faut qu'on vienne sous bagage un et un ouais, avec assassinat, il faut qu'on vienne. Nous demander personne ne pas cacher derrière pouvoir pour entraver la justice et faire obstruction à la justice. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, nous pouvons que le président Jovenel Moïse a bien de justice. La démarche, elle est politique. C'est ça que fait nous-mêmes, dans le niveau parti politique, aider. Sous table de négociation, nous engagons. Aujourd'hui, nous avons supposé m'être rencontré avec éminente personnalité CARICOM. Drôle de coïncidence, nous là dans le cabinet d'instruction. Et nous connaissons que aider est resté fidèle à sa position en dans négociation. Donc, moi abrité disponible chaque fois que le juge l'a invité pour moi venir. Sauf que nous étions également vigilants parce que nous connaissons en pile tentative pour intimider, pour manipuler la justice de telle sorte que c'est les amis, les proches, famille président Jovenel Moïse qui passait comme victime et que Bourroyo qui a vaqué librement activité. Encore une fois, c'est bien compté, mal calculé. Si vous êtes Bourro, ou à Bourro, parce que la bataille n'a pas campé. Merci à vous. Merci. Bon, nous ne prenons pas ça comme une simple coïncidence. Parce que nous tous connaissons qui bataille politique m'a mené dans le pays. D'abord, pour le président Jovenel Moïse Jeune Justice. Et ensuite, pour pouvoir qu'il a, vous donnez la raison. Nous connaissons un pile manipulation qu'a fait pour en fait un pile tractation qu'a fait pour manipuler le dossier, pour manipuler la justice. Mais pour oligarques, pour criminels, pour bourreaux, pour assassins, c'est bien compté, mal calculé. Parce que depuis tout de suite après l'assassinat, c'est moi qui t'ai invité FBI à venir aider nous. Qui donc, c'est deux juridictions qui sont aussi. Pas de aucune autorité en Haïti qui a décidé un bon matin d'y inculper des proches président Jovenel Moïse pour des raisons politiques ou bien il y a des vérités dans les vérités, yo, yo également devant la juridiction américaine. Mon yo déjà clair. Yo dit yo participé à l'assassinat. Tout assassin
qui parle et témoigne devant la justice haïtienne, yo d'accord devant la justice américaine qui ont participé dans l'assassinat. Et ça, c'est bien ça que travaille en tant que premier ministre. C'est ça que fait. Moi-même, m'a toujours été disponible pour la justice pays. Moi, pas quoi que personne ne doit cacher derrière pouvoir pour faire obstruction à la justice haïtienne. C'est ça que fait sous table de négociation. Nous croyons que justice pour le président Jovenel Moïse là, c'est un préalable à tout accord et à toute entente. Pas de aucun bourreau assassin qui va négocier pouvoir alors que, ou façon ou l'autre, il a participé à un crime. Ça, que nous tous condamnons. Donc nous-mêmes, au niveau de aider sur table négociation, nous poser la question de justice pour le président Jovenel Moïse comme un préalable. Donc c'est ça, pour me dire là, je vais toujours répondre à l'invitation du juge d'instruction hein, depuis que j'ai invité. Ça prend un énième fois, vous savez dire ça pour vous. Donc on est que l'assassinat ça, c'est une question de droit pénal en ce sens que il y a des étrangers qui impliquent l'assassinat. Ça vient faire que au niveau international, les États-Unis est très avancé en ce sens que il y a des gens qui arrêtent, qui jugent, qui condamnent, mais en Haïti ça traîne encore. Ça traîne dans la mesure où nous avons une justice qui n'a pas fonctionné. Nous avons aussi ce qu'on appelle le règne de l'impunité. À savoir, les gens qui peut-être, on dit bien peut-être, sont capables de brancher le pouvoir, qui ont des relations avec le pouvoir, sont capables d'empêcher l'enquête d'aller avancer. Nous-mêmes, nous sommes là comme avocat avec le client qui a répondu à l'invitation et qui a répondu à toutes les questions qui a été posé. Il sera toujours disponible. Cela n'empêche quand même que nous constatons que le dossier traîne, n'avance pas. Nous souhaitons que dans les jours, mois à venir, nous soyons capables d'être plus concrets. Cela veut dire quoi? Des gens qui sont capables d'impliquer suivant le rapport dressé par la DCPJ, nous avons non seulement arrêté à la prison, et les gens qui sont en prison dans le pays jusqu'à présent, ils ne peuvent pas véritablement tendre. Donc la justice haïtienne, nous comprenons, ça traîne, ça n'avance pas. Nous souhaitons que pour ne pas être dilatoire qu'a fait. C'est-à-dire que inviter juste pour inviter, mais il faut voir le concret, c'est-à-dire des gens qui ont des implications, qui effectivement ont tendu, qui ont procédé à l'arrestation, qui ont jugé. Nous sommes de Claude Joseph qui t'a parlé jodi a la qui fait président Jovenel Moïse 29 mois depuis Zanmilio ancien Zanmil mettez yon ensemble yo touyel hein yo touyel jodi a fait 29 mois et déclaration ça ancien PM Claude Joseph fait là. C'est pendant lui saute répondre question juge Walter Wessé-Volté. Il dit c'est politique qu'a fait net. Oligatio yo a essayé manipuler la justice pour faire tout proche Jovenel Moïse, tout bon ami Jovenel Moïse yo paraître comme quoi c'est yo qui touye Jovenel Moïse. Il dit ça va passer. Ça va passer dans ce temps de ancien PM nan lui parler et geti point qu'elle tire tout petit nous même qui grand ti moun n'a pas comprendre pendant 29 mois président Jovenel Moïse assassiné grand pile bagaille qui fait ça vrai nous ka dire grand pile bagaille qui fait grand pile qui joue arrestation gen gros moun encore nous dernièrement là arrêté c'est Joseph Félix Badiou grand pile bagaille qui fait oui grand pile bagaille qui fait et dans dossier Jovenel Moïse là. Et bien, avant là, nous attendons de parler. Joseph Vincent, qui a l'âge 58 l'année, plaide coupable. Oui, il plaide coupable. Devant un tribunal fédéral dans la Floride. Vincent déclaré devant le juge là, il dit
Oui, li se youn nan moun ki te nan complot pou touye président Jovenel Moïse. Li avwe, li te la. Li di, li te bay soutien matériel. Li te matériel, se zam, jile, api lop bagay anko. Li te bay soutien matériel pou touye président. Vincent, se premier haïtien ou américain n'a praplo qui impliqué dans la mort Jovenel là. Joseph Vincent sur route pour aller passer tout reste ville dans prison. Ça très important. Pour qu'on y là, Joseph Vincent l'attend dernière audience juge Martinez. Qui n'a dit qui sous dossier président Jovenel Moïse là et on dit ça li programmé jusqu'à 9 février 2024. Vincent t'es participé dans toute réunion qui vraiment important pour te aboutir avec assassinat président Jovenel Moïse. Ça vous donne pitié. Ça plus intéressé dans article que m'tap li sous Miami Herald. Joseph Vincent toujours présent dans réunion avec logo département d'état américain sous lui. Comme quoi il c'est un employé, il c'est un agent département d'état américain. Ça veut dire là la travail pour américain bébé ya qu'on a un bon petit nèg là mettez yo ensemble, il a comploté, il a fait grande réunion pour tout le président. Et puis, Amérique qui ça passe comme ça. Hein? Amérique pour beaucoup. Parce que plus fort réunion, là, quand il le fait. Hein? Si vous mentez, vous mentez en bas de commentaire. Plus fort réunion qui fait pour tout Jovenel Moïse. Qui va en fait? Dans le pays États-Unis. Quand vous passez, vous passez là encore en République Dominicaine. Gardez-moi ça. Vous voyez, ma soeur, garde là. C'est nek qui a fait réunion pour tout Jovenel. Nan moun sa wak ati tabla la, Gye James Solage, John Joel Joseph, Antonio Emmanuel Endriago, Gye Magistra Jacques Mel la, ki se Maki Kessa. An parle de Maki Kessa, to sa. Ni nan mè Amerikè yon tou. Ni la. E bi tou Gye Emmanuel Sano, ki se pastia, Christian Emmanuel Sano. E ensuite, nou Gye President City You, ki se Walter Walter Ventimiglia. Et bien comme ça, Walter Ventimiglia. Et puis tu gagnes des lots de photos qui pas identifié. Et bien comme non, moi j'ai un troisième lot bois tout. Ou quoi, c'est pas. Pas néa. Je vais faire une nouvelle très bien. Parce que je vais visage. C'est mon qui est sur table là. Quand il y a au cas où c'est question, qui est ce monde qui fait photo à vous? Parce que moun ki fè pou nous pa fè gil. Hein, et ça c'est important. Ça pour dire et pas John Joel Joseph qui te fè pou toi. Ça pour dire et pas qui te fè pou toi. Ay nèg yo. Et nèg yo sou tabla là. Et gon nèg ki l'op bwa qui semble avec on me connaît. Pa connaît. Konnen, n'a cherché kon nèg yo. Réunion ça on connaît le fait dans pays États-Unis. Lèm di États-Unis pour beaucoup dans touyer président. Nous pensons que c'est un fait. Eh bien, même Jean avec Claude Joseph Sotil là, depuis que j'ai invité, il faut que vous pas faire maronnage. Si vous ne pouvez pas rien pour avec l'homme président Jovenel Moïse, venez pour une question juge là. Et ensuite, il voit un gros boulet de canot, il voit un gros toya. Il dit, il n'y a personne monde. Caché derrière le pouvoir et puis tout pour entraver la justice pour faire marronnage les gens relo pour venir répondre quelques questions on va le venir. Oh oui, c'est autorité qui doit agir pour ta relo. Il veut pas aider pour marier Marie clair sous comment il démentit kounya là. C'est raison pour laquelle nous tous les faire émission nous quitter espace commentaire arrêté activé pour nous commenter pour qu'on démentit. Et quand nous tous disons ça, oh oui, je suis menti, je suis sur le réseau, je suis menti, à travers ça,
Claude Joseph dit là, démentir. Claire. Et il va aller là. Il va aller pour tout comme lui. Et il dit lui-même, il croit que le président Jovenel Moïse a joué justice. Ça, il faut que je dise là. C'est vrai, moi-même, tu as parlé là, je ne vais pas te Jovenel Moïse. Je ne vais pas te remettre. Depuis le candidat, depuis l'inscrit dans le candidat, pour lui poser candidat à la présidence, je ne vais pas te remettre. Parce que dans l'inscrit de la qualité, je ne vais pas te remettre. Oui, ils sont des graines, nous avons. Mais, de pour entrer dans la graine, panier, zonge pour rien, ou de mettre un zonge qui fait sortir sous pied, tout vert. De vous tomber dans le panier, tout reste tout le pour rien, il y a pour tout. Et les autres, là, qui ne sont pas de même ici. Quand il y a là, il y a un président, il y a un pays à Ménégio pour diriger. Et à la dernière minute, là, Jovenel Moïse ouais que négio pas j'aime tes amis vrai. Li commence à dénoncer négio. Kounya la li vin changer fusil d'épaule. Li commence à dénoncer nèg. Nèg ka pèderel, passe l'autre. Il dit bon, nèg ça OK avec nan. Et moi on ami ou bien pays a et gouvernement. Ça veut dire là, j'ai Jovenel calé trop tard. Nèg ki tes amis, pas j'aime tes amis vrai. Yo tes amis poste la diriger. Et Jovenel Moïse tellement égaré. Il dit que connait nèg yo pas fokou sou li. Même pas je me connais c'est côté Katouyel. Là, Jovenel Moïse était campé et dit "Ouais président ça, nous pas ca voyer l'aller. Nous pas ca bail coup d'état, nous pas Katouyel." La coquine en gorge nous. Elle vient voyer m'aller. Et reste nous quitter derrière yo. Tout les ça, Jovenel était getan au courant. Nèg yo gien plan pour lui. Mais pas je me connais nèg yo tout va Katouyel. Elle te dit ça, elle te osé dit ça. Il te dit nous pas Katouyel. Et si on Katouyel, là tout nous zo pour sur coquine en gorge nous. Vraiment vrai, Jovenel Moïse coquin en gorge. Ouais, quand c'est nèg là qui est jeune arrestation yo. Li coquin en gorge. Et nèg tellement trouvé Jovenel Moïse facile en là qu'il a le trouvé. Quête monsieur. Dans nos pays. Mais allez, rendez-vous dans une prochaine émission pour qu'on vienne ton l'autre dossier Pablo Channel ça, c'est production 69, demandez pour like, abonner, peser sous cloche notification, retirer spécialisé sur toutes pour les nouvelles vidéos pour pas rater. Mon yo a fait conclusion ou bien fait déduction par yo. Ouais, commissariat Tomazo toujours dans mes bandits. Bon, 36 minutes. C'est vraiment pile. Oui, bon, n'a pas dit mon yo n'est pas capable de réaction parce que nous tellement été invité là. D'ailleurs, moi obligé gagné les amis ça qui t'après parler nom de protocole 17 octobre blanc qui obligé aller parce que bon, l'autre rendez-vous, nous t'ai parlé avec lui depuis bien avant. Donc nous espérons parler à Kyo après concernant protocole 17 octobre vers une transition haïtienne pour les Haïtiens. Les Haïtiennes n'a pas gain pour nous parler avec eux dans jour cap venir pour le même temps fait pas gain temps recevoir yo matin n'a pas aller Cafoufeuille et pendant déjà t'as parlé de Cafoufeuille là avec Adzani Oximable qui dit que bandi dans quartier Grand Ravine continuer à faire ça voler dans zone Cafoufeuille pour arriver dans l'impasse Eddy, malgré diverses opérations de la police là, où ils sont capables d'avoir accès à la route principale. Une situation qui risquait de venir plus compliquée si les dirigeants sont dans le pire niveau de l'État, pas prendre disposition pour croper Zach Bandio. On a suivi un reportage avec Adzani Oximable Saint-Fleur. Depuis les bandits dans Granville, ils ont fini d'attaquer Cafoufeuille dans le mois d'août passé. La population dans la zone ça passe pas augmenter. Une situation qui t'a pris la cause plusieurs milliers de familles qui ont été caillou pour aller prendre refuge dans diverses écoles et sous place publique pour échapper en bas violence dans l'examen. C'est depuis les atouts, tout le monde constate l'autorité haïtienne d'accord Cafoufeuille c'est une zone qui fait partie du territoire perdu. Côté ou pas créer aucune stratégie visible pour permettre moun sa yo retourner la caillou à reprendre contrôle zone sa yo. Passivité autorité l'état yo, la cause au contraire bandi a ya koyo Jean Ouvelé, jou ki rive a paroisé juste nan impasse Eddy d'après Abelson Gounèg. Situation la Cafoufeuille là, li pas changé. On veut que li changé en devenir plus aggravé. L'en aggravé. Zone tunnel ou tunnel zone Wesleyan, c'est plus ou moins on va. Il est extrêmement étant. Monsieur prend contrôle du passe Sayo parce qu'il va gagner un entrée impatient. Donc côté Monsieur Sayo, yo, à Sayo, si vous pouvez dire, vous faites base, yo, c'est là que vous voyez. Et bien ça vient un peu, Cafoufeuille est toujours un jour à venir plus impraticable. Malgré l'autorité qui est dans l'état, yo, t'es annoncé que l'opération est arrivée menée dans Cafoufeuille. Ça n'a pas empêché habitants qui sont dans la zone de Sayo, pas qu'à retourner la caillou
à cause de Dieu qui entre dans Kaimoun, Pessé Kaï, pour être capable d'aller dans la route principale que j'ai ouvert. Pourquoi j'ai une opération qui définit pour prendre le contrôle de Cafoufeuille? Malgré le temps de DGT monter, DGT a même tant qu'il y a un grand nègre dans le fait chaud, dans le fait chaud. Mais pourquoi j'ai une opération qui fait pour combattre le phénomène de Cafoufeuille? Blendeo encore. L'un que vous voulez blendeo, blendeo, il est vrai, il y a un peu de passé, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de tout le temps, il y a des policiers qui mettent les pieds à terre. Si le moment ça a été fini, il a été défini une opération de concert avec les policiers ou les militaires, on pensait que c'était une solution plus rapide. Et je veux dire, la babille, quand ils ont utilisé une stratégie, quand ils ont fait un outil, ils ont passé mes cailloux, et puis pour nous sortir, ils ont tombé dans un accent. Et puis je veux dire, les blindés de l'avion, et puis ils ont dit, on est au blindé seulement. Ils ont couru dans un cailloux. Ils ont passé plusieurs cailloux, ils ont fait un outil pour passer. L'État paraît impuissant devant phénomène Sila. À cause autorité qui dans l'état ou pas gain volonté pour résoudre crise si là ça qui la cause chaque jour qui passe, l'état d'accord l'hystérie de quoi perdre augmenter yon attitude Abelson Gonek dénoncé. Continuer à faire massacre sur la population camoufelle, et je dis là, il est aggravé. Et l'État n'a pas aucune position, malgré tout ce que je dis. Donc, pour l'État arriver à démanteler les gangs dans le camoufelle, pourquoi pas dans la ravine, il faut qu'il y ait une opération constante qui fait. Mais beaucoup de CFPN qui est en tête avec Henri, France LD contre CPNH, nous avons besoin, au lieu que France LD combatte l'insécurité, nous recevons aux gangs qui, depuis ça, jusqu'à ce jour, déportation raciste. Sous mon Cafoufeuille, déportation massive fait sous mon Mariani, l'État sous mon Tabac, donc c'est gang qui a dirigé le pays et c'est gang qui prend contrôle le pays. Malgré le message qui est lancé pour Zone Sayo, ça n'a pas empêché l'autorité de l'État de continuer à être en mode l'épée vague. Ça qui risque par contre pour qu'il joue et pour qu'il est, soleil l'espoir et la paix à clairer sous Cafoufeuille. En tout cas, Abelson Gonègre souhaite mini justice la chef CSPN ressaisir. Pour joindre une solution à la crise, c'est là. Ça a passé Cafoufeuille là, son bagaille, dans 3 mois, 6 mois, qui est capable de résoudre. Il suffit que nous ayons un commandement, nous ayons un chef, la police qui est responsable, qui compte job, qui compte ça. Dès qu'il va venir faire tuer, les politiques, mais qui est là qui dit la paix est pour la population en sécurité, la combat qui est en sécurité dans le pays. Nous avons un CFPN qui est responsable, nous avons un DGPN qui est responsable. Ça vous fait après je ne cherche pas. Ma vie est juste là. Il était réel, il était connu, il était conscient, il était parti du gouvernement, il était parti de CFPN. Non, il était dit, après, il était droit de l'État. Ici, on va chercher pour un monde qui croissait et qui est lâchant. Donc, vous pensez, et si c'est sans doute bien là, comment soit-il? L'école a passé le message de droit de l'État. Pour le début 19 novembre 2022, la pensée à l'aide. Donc, vous pouvez vous dans CFPN, vous pouvez vous faire pour le parti du droit de l'État. Et je le dis à la libération, comment soit-il de dire, les cas où vous avez dit, parce que le cas où vous avez dit, vous pensez à des bien là, qui viennent dans le droit de l'État. Ou me ressaisir pour gagner la police toute plénoise, pas yon équipement, pas yon matériel, yon façon pour yon capable de combattre le phénomène insécurité dans le pays pour la décapitation. N'a pas rappelé, dans la date qui était 23 septembre 2023 passé, la police nationale te présenté une unité spécialisée qui portait nom Unité temporaire anti-gang, UTAG, dans l'idée pour combattre gang. Cafoufeuille ak en pile zone côté bandi ou a ferraillé, rete même gens, au contraire, Marianne et Villonge liste là. Question à pile moun a posé pour qui ça moun Cafoufeuille pour qu'on katoune la kayo l'en considéré unité si la déjà tant mais plusieurs opérations dans Cafoufeuille. D'après plusieurs rapports diverses organisations parmi eux RNDDH montré à clair insécurité si la c'est une insécurité d'état. En tout cas pile moun ouais c'est volonté politique qui pa gagne pour permettre Cafoufeuille retourner paisible encore l'en considéré à chaque fois un territoire perdu les profitable autorité qui soit disant dans l'état yo Adziani Oximable c'est fleur Caraïbe FM. Merci en pile Adziani Oximable Saint-Fleur initiative société civile dans l'ISC bien accueilli visite travail délégation officielle pays Kenya en Haïti dans cadre mission multinationale pour soutenir sécurité dans l'idée pour croiser Zak Bandio et puis permettre la paix retourner dans pays an. Directeur exécutif organisation société civile Lanroni de Roche Croix et un bagage normal pour un échange entre autorités de pays dans l'idée pour un bon genre planification sous vini à quel déroulement mission ça en Haïti. Responsable ICAN venu yon force étrangère dans pays an droit yon opportunité pour aider autorité haïtienne à renforcer PNH la force l'armée d'Haïti en côté déclaration Ronnie Desroches dans micro Michli Alexis. C'est un bon bagage
parce que vraiment nous connaissons que la police noire est très faible aujourd'hui hein, par rapport à un gros défi que les gains pour relever. Et nous connaissons que ce n'est pas vraiment la mission d'une police pour le bataille avec des bandits qui gagnent de gros âmes fin de fois dans main yo, qui est bien armé, bien équipé, etc. C'est beaucoup plus travail et l'armée qui apprend pour être capable presque faire la guerre, nous capable dit. Donc police là l'est dépassée. Et en plus de cela, police là l'est très faible du point de vue des effectifs. Moi j'ai appelé un texte dernièrement qui dit que c'est à peine 4000 policiers qui vraiment opérationnel en même temps dans le pays. C'est très peu par rapport à tout besoin que nous avons. Là, nous connaissons qu'un pays comme la République dominicaine, il y aurait plus de 100 000 monde armés et qui là, capable de défense, capable de sécurité, etc. Il y aurait plusieurs corps différents qui peuvent aider. Moi, je crois que nous besoinons d'aide, non seulement aide de quelques hommes et quelques femmes, certainement, qui sont capables de venir, non seulement du Kenya, mais aussi que des pays, d'un coup, et Nigeria, capables de voir quelques éléments tout, nous capables de venir, capables de venir dans les Caraïbes, là, capables de venir dans certains pays d'Amérique centrale. La mission, ça, là, est très important. Pour aider nous à stopper le terreur ça qui enfin a bah, population incarcérée régulièrement chaque jour, tout le monde qui a déplacé, quitté Kayo, qui a perdu tout à fait, le monde qui a kidnappé, le monde qui a gagné en pile problème à cause de problèmes économiques, tout à cause de palacaillot, problèmes sociaux, etc. Donc nous avons besoin de sortir d'un cauchemar. Ça, je crois que ça va aider. Maintenant, c'est normal qu'il y ait des échanges entre Haïti et Kenya. Il faut qu'on connaisse l'autre, il faut qu'on connaisse les conditions dans lesquelles cette mission va se déployer, pour qu'on connaisse quelles sont les règles d'engagement, pour qu'on connaisse tout, si jamais n'importe bagaille est arrivé, parce que capable de gagner des dommages, nous ne connaissons pas jamais depuis qu'il y a affaire de armes, il y a affaire de accident. Ouais, donc si on va arriver, qui est responsable, comment bagaille va le passer, etc. Ce sont autant de détails extrêmement importants que vous devez vous fixer avant que Mounio vini, et surtout que gagnent des travail de planification du point de vue strictement policier, du point de vue militaire qu'a fait, question de logistique, tout le bagage ça y est. Et d'après ça, me tendez, accompagnement américain tout qui là avec vous, parce que américain a pas ils ont parti dans l'équipement, ils ont parti dans la logistique là tout. C'est normal que tous ces partenaires se mettent ensemble pour que mission capable de réussir. Maintenant, on l'autre partenaire qui doit pour tes contributions le tout, c'est la population haïtienne, c'est les journalistes aussi, pour nous créer un climat favorable pour que la sécurité revienne, afin que nous puissions aller vers des élections et surtout pour nos travail pour le renforcement de nos propres institutions, renforcement de la police, un bon recrutement avec des mondes sérieux, des mondes honnêtes, des mondes qui ne vont pas rentrer dans la corruption, dans l'affaire de gang, pour renforcer l'armée non en tout, afin que les pas rentrer ni dans le coup d'État, ni dans dévorer le budget, pour comprendre, mais pour vraiment mettre au service de la population et du pays. Voilà, au top côté déclaration, Ronnie Desroches. En effet, Gary, tout seul, on va poursuivre avec l'information et puis recevoir une série d'invités. Faut moment que tu fermes le micro. Oui, guerrier du seul, avant nous la poursuivre avec information et du coup continuer à recevoir.